cantina là. Ah bon? Bonjour, je suis Mickaël Le Coquen du Centre culturel Le Cap de la ville de Plérin. Nous sommes ici à l'Arboretum de la ville de Plérin dans le cadre de la manifestation Terre Arter qui est à sa 7e édition. Alors qu'est-ce que la manifestation Terre Arter? C'est une manifestation portée par le service culture et environnement de la ville dans la notion culture-nature. C'est cette proximité qui fait que les deux services portent cette manifestation pour évoquer de la sensibilisation autour de l'environnement, mais pas seulement. Donc aujourd'hui, effectivement, on est à l'Arboretum, un lieu qui n'est pas trop connu, pas trop fréquenté. Et l'idée, c'est effectivement de faire qu'il y ait de la vitalité sur cette journée. C'est ça dans l'idée de la grandeur quand même. Ça va venir au bout de... Il faut attendre un peu. Il y a des petites membranes en tête qui se refont. Quand elles font leurs yeux, elles mettent des pucerons à l'intérieur et elles colmatent avec une petite... Ici par les pommes de bord. Oh, c'est pas grave si elle est cassée. Les insectes ils vont se mettre à l'intérieur, ils aiment bien les pommes. Voilà, t'as un petit trou là. Je vous promets, j'ai pas mis d'araignée, ni de serpent, ni de choses comme ça. Ça m'a tenté, mais je l'ai pas fait. Allez-y, c'est Facebook. Vous avez la réponse juste en dessous, vous pouvez observer. Alors sur le nez c'est difficile. Quoi? C'est pas facile. Ah, je crois que c'est pas ici. J'ai mis que des choses, oui c'est ça. J'ai mis que des choses qui se trouvent dans la forêt autour de l'arbre. J'ai pas mis des choses. Mais regarde, c'est quoi? Moi qui n'écoute pas comme ça. Et vous allez où là? Et mon stop? Session de pro sous la yourte, on va reprendre à 16h30. Les conteuses sont prêtes à vous accueillir de nouveau. Bienvenue à tous.
montait là, parce que moi c'est pas évident. Bon, le patron il veut que je traite. Alors je mets sur des plantes. Voilà, c'est bien comme ça. Bah du coup ça tient bien. Alors, ensuite là vous pensez bien à l'exposer plutôt au sud. Une jeune fille. Oh, la vieille dame, elle commence à être vieille, avoir mal aux jambes. Elle ne peut plus beaucoup travailler. Anouko, sa fille, elle est très gentille, elle l'aide beaucoup. Mais il manque un peu d'argent dans la maison pour acheter de quoi manger. Alors Anouko décide d'aller travailler à la ville. Pourtant, c'est loin d'aller à la ville. Il faut plus d'une heure le matin. Les parents pour revenir, parce qu'elle y va à pied à nouveau. Elle ne veut pas laisser sa maman toute seule, donc elle y va tous les matins à pied, et elle revient tous les matins à pied. Alors, qu'est-ce qu'elle fait sur le chemin? Au début, elle regarde les fleurs, les nuages, peut-être qu'elle se raconte des histoires dans sa tête, peut-être qu'elle se chante des chansons, mais... Ce qu'elle a remarqué, c'était que là-bas, il y avait un grand arbre, très vieux, très haut, qui dépasse d'ailleurs. Elle le voit de loin. Et puis même, cet arbre, elle s'est rendue compte que c'est juste à la moitié du chemin. Alors, elle aime bien le regarder, parce que quand elle y arrive, elle se dit qu'il ne lui reste plus que la moitié à parcourir. Et puis petit à petit, elle a pris l'habitude de s'arrêter, de prendre... des boissons, son petit déjeuner peut-être. Et le soir aussi, elle s'y arrête. Elle lui dit bonjour.
te lances comme ça, il faut s'arrêter sur les chiffres là-bas. Thank you.